Yes, salut les amis, c'est FarmXR, comment allez-vous? Aujourd'hui un petit peu de camion, comme d'habitude, un camion, une remorque, une nouvelle cargaison, un nouveau jour, c'est parti, on est parti chargé, on est top, on va enlever les pleins phares, ça fait chier les collègues. Où c'est que ça se passe? Ça se passe à droite. Bon, on va essayer d'éviter d'entrer dans Bulbunby. Je suis au volant d'un International 9800, je vais vous montrer un vieux camion tout pourri que j'ai récupéré du papy. Une fois qu'on aura chargé à chevron, vous allez voir, et c'est pareil, la remorque elle est de la même époque, c'est tout pourri. Par contre, ils ont simplement refait, merde, par contre je suis con. Hop, on va freiner fort. Ils ont refait tout simplement la peinture de cette remorque. Et vous allez voir, c'est en fait, aujourd'hui c'est veillé ensemble. C'est veillé ensemble et on est par contre pas sur le DLC Oregon. On est plus au sud, voilà, donc on va prendre ces vieilles remorques, ce type vieille remorque là. Mais ça peut être plutôt sympa, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, où c'est qu'elle se trouve? Elle se trouve ici ou elle se trouve plus loin là-bas? Non, elle se trouve un petit peu plus loin là-bas. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez bien, toujours dans l'attente des FES 19. Alors en ce moment, on fait pas mal de MXGP Pro, on fait pas mal de ATS. Et on fait pas mal avec le patou, le Spin Tier Mudrunner. Pendant que ça fonctionne, on en profite. Regardez ça, la bonne vieille remorque citerne. Hein, c'est en fait une vieille remorque citerne. Il existe la même chose en version toute rouillée, mais malheureusement j'étais un petit peu loin, j'ai pas pu aller la récupérer. Ça faisait chier, voilà, pour tout vous, rien vous cacher. En fait, bah là j'ai dû tout simplement aller là où se trouvait la remorque. Donc j'ai pris mes saves où j'avais pas mal de garages. Hop, on va charger. On va ensuite se foutre en vue externe et on va regarder tout simplement l'ensemble. Regardez ça, si c'est pas Thibaut. Alors le camion, tout déglingué, tout rouillé, 9800. Hop, le Savoyard International. Avec pas de nez, hein, c'est des véhicules qui n'ont pas de nez. Et la vieille remorque, alors la vieille remorque, style vieille remorque, hein, puisque elle est vieille, mais en tout cas la peinture est toute refaite, ça va être plutôt sympathique. Allez, on va se mettre en vue inter, on est parti direction quoi? On est parti direction. Où c'est que c'est déjà la direction? On n'a pas ça la direction ici. À Galup, voilà, j'ai cherché le nom, à Galup, ça Galup là-bas, Galup dame, Galup dame, Galup dame. Et on va tout simplement aller tenter de livrer cette chose là. Alors il y a 608 miles, donc bien évidemment on fera pas toute la cargaison ou toute la livraison ensemble. On fera pas l'accéléré non plus, on va tout simplement rouler un petit peu ensemble avec le camion. Regardez en vue inter le petit poste qui est pas du tout adapté ou qui est pas du tout de l'époque du véhicule. Mais sinon sans ça il est plutôt pas mal. Alors je suis pas accompagné aujourd'hui, oh putain. Ça va être la catastrophe là aussi. Si ça tape pas, elle m'a tapé, ouais putain j'étais planté au milieu de la route. Normal, je fais de la merde, c'est parti, tout va bien. C'est des vieilles quimbardes, ça tient le coup tranquillement, les champs de pétrole, enfin les champs d'extraction de pétrole qu'on a sur la droite, avec les marteaux qui pompent le mazout, le gazoul, voilà, qui coûte bientôt 2 € le litre en France, hein, bien évidemment, ça ne vous a pas échappé, en tout cas pour ceux qui ont des voitures, qui ont le permis, et qui doivent faire le plein à la pompe. Voilà, allez, on est reparti, on va passer la 10e, normalement c'est des véhicules qui envoie du grand en termes de longueur de vitesse. C'est pareil, j'ai un... Alors c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un FLB, Freightliner FMB, ou peut-être aussi un international, mais avec le nez. Par contre, cette fois-ci, sur ma partie note sheet, le camion 90 miles à l'heure. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des espèces de trucs comme dans le Far West, là, hop, ça, là, qui volaient. Là, on est un peu dans... c'est Californie, Nouveau-Mexique. Voilà, on est sur cette partie-là. Vous voyez qu'en termes de décor, ça a quand même beaucoup... Enfin, c'est très différent, beaucoup différent, ça fait pas très français. Donc c'est très différent de ce qu'on peut avoir en haut sur le DLC Oregon. La prochaine fois, donc, je prendrai un nouveau camion, bien évidemment, comme d'habitude. Et je vous montrerai donc la route, la fameuse route des Sequoia. J'ai pas préparé en fait d'avance la vidéo, donc je me suis pris là un petit peu à la dernière minute. Mais c'est pas bien grave, on fait avec, on est tranquille, on roule. C'est le principal, on est ensemble. Et comme je vous l'ai dit, bah, tic-tac-tic-tac, hein, on attend farming tranquillement avec... la petite route là, quand je suis venu les amis, je vous assure, j'ai décollé avec le camion. Non, là ça décollera pas, je pense. On est pas loin. Chargé, on décollera pas, mais j'ai limite décollé, j'ai perdu l'adhérence sur les roues avant, ça c'est sûr. Et j'ai failli me foutre dans le décor, pour ne rien vous cacher. Et très très prochainement, d'ailleurs j'ai été recontacté par mon ami Cleverson Nascimento, qui m'avait donc envoyé la fameuse remorque jaune.
où on avait, parce que c'était la première cargaison, vas-y mon colo, c'était la première cargaison que j'avais fait, je crois que sur ATS, mon petit retour là où c'était du extra oversize load, et ça fait un moment que je vous parle de remorques justement, les Dove, des Dove trailers, des cattle trailers, donc les remorques pour transporter les animaux. Il m'a contacté, il en a fait une remorque triple, enfin on pourra l'avoir en triple, après on pourra l'avoir en double et en simple. Il finit les derniers tests et normalement techniquement il est censé me l'envoyer, donc ce sera, ben voilà, ça sera pour l'instant un mode payant, sauf que celui qu'il avait fait avant était un mode payant et par contre ben, a priori il a fuité puisqu'on l'a retrouvé sur les sites de mode. Donc encore une fois, il n'y a pas que dans farming qu'il y a des enculés, hein, c'est pour faire simple, voilà. Donc on verra bien, normalement il est censé m'envoyer une fois que les tests sont finis et je vous montrerai ça. Et franchement là ça va être le surkiff de transporter justement des animaux. Alors qu'est-ce que ça dit, moi j'aurais bien doublé mais bon c'est le bordel. Pourquoi il me fait... j'ai raté l'entrée, qu'est-ce que c'est? Ça va pas là? 660 mètres, bah je crois qu'à force de suivre l'autre Gugus là, Rita des courses, j'ai dû rater la route. Parce que j'ai l'impression que le GPS a recalculé la... Ouais, il a recalculé la route et j'ai l'impression qu'on a encore plus de kilomètres qu'avant. Bon, bref, à parler, raconter des conneries, bah tout va bien, comme d'habitude, hein, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. C'est Magic System, l'autre faudrait qu'il se bouge le trognon. Ah, il n'y a pas de klaxon celui-là. Ah, il y a toujours un petit truc qui manque, ou c'est le rétro qui fait chier, ou le klaxon qui n'est pas paramétré, enfin en tout cas le klaxon qui n'est pas... parce que le klaxon est paramétré, mais c'est vrai qu'il y a la petite trip, là tout va bien. Le soleil se lève ce matin sur Bakersfield, ou je sais pas où je suis là en fait. Et donc on va direction, en tout cas, Gallup. Eh mais vas-y mon cono, envoie du gras. Moi je suis chargé, mais pas énorme. Alors on va se mettre un petit coup en vue Axter, pardon. Ouais, c'est ça le petit ensemble qui fait plaisir. Encore. Ah bah ouais, encore, il en va encore. Et on va écouter le bruit du moteur, je vais fermer ma gueule. J'ai pas vu qu'il y avait un connard qui arrivait. On s'en fout, on fonce. Ah, ça fait plaisir ça quand on a les moqueurs. Je crois que le moteur c'est un moteur Packard, c'est pas un moteur X6, c'est pas un moteur Caterpillar, c'est pas les moteurs qu'on a l'habitude de voir. Je crois qu'on a la possibilité d'avoir des moteurs Packard. Franchement, ils font un bruit magnifique et en termes de ralentisseur. Oh là là, le bruit qu'il fait. Bon, par contre, c'est à gauche. Hein. Ça se trouve, il y a encore quelqu'un, on va se faire enculer. Non, c'est bon. Oh mon dieu, si ça tape là-dedans, mon dieu, on est comme des ouf. Le moteur il a 100 ans, il a 2 millions de kilomètres et on fonce. On fonce sur les autoroutes de Californie, direction Nouveau-Mexique ou je sais pas quoi, enfin on verra bien. Bref, c'est pas bien grave, les rétros sont bien réglés, mais il suffit de les regarder. C'est pas plus compliqué que ça, si vous regardez les rétros, tout se passe bien. Mais là, bah, ça s'est plutôt pas bien passé. Bref, c'est pas bien grave, on s'en fout, c'est la même chose. On a tapé un petit peu le camion. Ah, ça me fait plaisir quand ça fait ces bruits là. Incroyable, mais ouais. Alors, par contre, on tourne là cette fois-ci. Hop, par contre, non, on passe pas le coup de deuxième parce qu'il va pas aimer là. Le moteur Packard va pas aimer du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, poussez-vous, allez, il y a une circulation. Des fois, je préfère presque rouler la nuit, il y a beaucoup moins de circulation. Le petit Range Rover qui va bien, le petit camion avec la benne qui va bien aussi. Ah, oui, c'est vrai que j'ai chaussé un mode, il faudra que je regarde s'il est fonctionnel. C'est une espèce de. De fourgon d'ailleurs avec une comme un trafic, un truc comme ça mais à l'américaine, c'est un Dodge je crois si je dis pas de conneries. Enfin bref, à voir pour une prochaine remorque, encore une fois, nouvelle vidéo, nouvelle remorque, nouveau camion, nouveau jour, nouvelle livraison, ça à venir prochainement puisqu'on continuera avec le farming. Effectivement, j'arrive en ce moment à tourner 2 vidéos par jour, ce qui fait que vous avez en gros 1 vidéo par jour vous à disposition. Donc on verra si j'arrive à tenir ce rythme là longtemps, c'est ça aussi l'idée. Parce qu'il faut tourner le matin, il faut tourner l'après-midi, il faut travailler les vidéos le soir, les uploads le soir, et puis après, bah, elles sont disponibles pour vous, tout simplement, à la lecture. Mais pour l'instant, tout va bien, ça continue, on arrive à être propre, et on arrive à tenir libre. Donc on verra combien de temps ça dure, ça, je ne vous promets pas que ça dure très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Manifestation, non, rien de particulier, tout va bien, ok. Donc, par contre, on se traînaille, un truc de ouf, là. Le mec il veut pas avancer, je sais pas, c'est limité à 40, on est... Non c'est limité à 30, finalement il était peut-être à 30, c'est pour ça aussi qu'il avançait pas plus que ça. Il fait quoi? Il va me casser mon élan ce con là! Vas-y, rip-toi bordel! Salut Maurice! Salut Johnny! Aïe! Ah, attention, il y a l'école, il y a les petits écoliers, miam miam petits écoliers, je vais les manger. Allez, vas-y, il y a personne dans le bus? Alors question sécurité routière, c'est génial ça. Au cul du camion, au cul du car. Il fait quoi? Il attend quoi pour accélérer?
Je suis limite à éternuer, je vais crever. Attention, non, est-ce que je vais y avoir droit? Peut-être, oui, non, je sais pas. Faudrait peut-être y aller, mon connard. Allez, bah écoute. Oh non, mais vous rigolez, je suis en train de doubler. Je me prends encore une bagnole sur le dos, là. Incroyable, mais ouais. Ça faisait un petit moment que tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et là, le mec, il arrive lancé comme une bille. Je suis en train de déboîter, je suis carrément de mon côté, hein. Et il me rentre dans le cul. Bon, bref, c'est pas bien grave, tant pis pour lui. En termes de dommages, ça fait quoi, là, à force, là? 5 au camion, 2... et une à la cargaison et 2 à la remorque. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas mes remorques. Donc, jusqu'ici, tout va bien. En même temps, il y a 5 millions sur le compte, donc on est tranquille. Ça avance tout doucement. Question carrière no cheat. C'est vrai que c'est quand même vachement lent de... Bon, là, je suis à des cargaisons qui me rapportent entre 20 et 25 000 dollars. Hein. Je fais des cargaisons pas forcément très très longues, mais en tout cas, je fais des cargaisons qui rapportent le plus en termes de prix kilométrique. Eh, mais c'est pas vrai, on est sans arrêt en train de sortir, de rentrer sur les trucs. Il y a trop de routes ici, je vais me paumer. Heureusement qu'il y a mon GPS, hein. Qu'est-ce que le patou tu reçois? Je t'appelle, j'ai besoin d'un radioguidage. On va lancer un appel, des fois que le patou soit sur la route par là. Encore une fois, avec une CB à moitié pourrie. Ou surtout, pas très bien, ça c'est certain. On n'est pas au niveau du patou, question CB. Mais bon, voilà, ça c'est son truc, c'est ce qu'il sait faire. Allez, cassez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Et puis là, je vais arriver. Il va me déboîter. Où c'est qu'il est? Il est là? Ouais, il est là. L'autre, il est pas là. C'est bon, je peux me rabattre, tranquille. Ok. Oh putain, il enchaîne dans la côte. On va répéter un coup de 9e. Et on va se relancer. Peinard, on est là. Il fait beau. Il fait chaud. Enfin, il est bientôt chaud parce qu'il est seulement 8h15 du matin. Mais il fait déjà 25 degrés. Bon, ça, c'est une pure invention, vous l'aurez compris, on est bien d'accord. Truck lane, slow vehicle only. Ok, moi, je suis pas slow, donc il n'y a pas de souci. Je roule, je fonce, j'en ai rien à foutre. Où c'est que c'est? Non, il n'y a pas de sortie, c'est simplement la route qui est spéciale. Alors, c'est vrai que, bon, moi, perso, je trouve ici, ces endroits-là, beaucoup moins jolis que le DLC Oregon. C'est pour ça que je roule beaucoup, beaucoup sur le DLC Oregon. J'ai fait, d'ailleurs, que ce soit presque sur toutes mes profils, j'ai fait quasiment toutes les routes de l'Oregon et franchement, c'est un superbe DLC. C'est quand même beaucoup plus varié qu'ici où là c'est assez désertique, mais en même temps, c'est peut-être IRL la même chose. Hein. On peut pas faire. Normalement, c'est censé assez plutôt bien représenter. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, on va pas avoir le temps de doubler. Bon, cette fois-ci, je vais y aller après la petite bleue. Donc, si c'est désertique, bah c'est désertique, ils n'ont pas trop le choix. C'est vrai que l'Oregon est peut-être plus diversifié en termes de paysage, et c'est a priori le cas, en tout cas sur le jeu. C'est vraiment, voilà, il y a au moins 4 ou 5 ambiances différentes. Là, je trouve que c'est quand même assez redondant, ces endroits-là, où bah, c'est désert. Donc, il y a désert, hein. C'est sable, cactus, et puis voilà. Hein. Et là, on est parti comme des calus, 85 miles par heure. Tout va bien. On va se rabattre, peinard. On est bien, on va se rabattre peinard. Oh, on est là, de toute façon, vu la cadence où on va. 88 miles par heure. Ça fait à peu près 150 km/h, je crois. J'ai regardé 90 miles par heure. On est à peu près à 150 km/h. Tout va bien, rassurez-vous. Vous êtes avec le Savoyard. Hop là, c'est tout bon. On filoche, on envoie du gras. Qu'est-ce que ça dit en termes d'horaire? Où est-ce qu'on en est? On est pas mal, on continue encore un petit peu ensemble. J'espère en tout cas que bah, ces vidéos vous font plaisir. Et a priori, c'est plutôt le cas. Voilà, ça vous permet de découvrir des véhicules, des remorques, des camions, donc quasiment tout est disponible. Maintenant, je me fais quasiment presque plus chier à prendre des mods à l'extérieur. Je prends quasiment tout sur le workshop, comme ça au moins il n'y a plus qu'à. S'il y a une mise à jour, ils sont mis à jour automatiquement. Ça, c'est ça qui est royal aussi, parce qu'après, quand vous changez régulièrement, parce que j'ai vu qu'a priori, il y avait la 1.33 bêta qui était sortie sur ETS2. Bon, je sais pas du tout ce que ça apporte. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous le souhaitez, ben, n'hésitez pas, pour ceux qui pratiquent encore un peu ETS2, à me dire ce qu'il y a de plus par rapport à la 1.32 sur la 1.33. Parce que franchement, je me suis pas du tout renseigné. Et puis pour l'instant, vu que j'y retourne pas, bah, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors est-ce que la 1.33, c'est du fait du DLC Beyond the Baltic Sea? Là, je sais pas trop quoi. Je pense que c'est ça de toute façon. Maintenant, est-ce qu'il y a des nouveautés comme on a pu l'avoir avec bah, justement la possibilité d'acheter ses propres remorques, les remorques doubles, etc. Bref, j'en sais rien. N'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, si vous avez l'info, à la partager. Ça fait plaisir. Allez, on est bon là. On suit parce que je parle, je regarde pas nécessairement le GPS. Donc on sait comment ça se passe quand on regarde pas le GPS, on rate la petite route et puis après avec des courses on se tape des kilomètres en plus. Bah, c'est pas vrai, le mec il se traîne, un truc de ouf avec un cabriolet. Mais c'est pas vrai, il était encore là lui, je l'ai pas vu, je regarde dans le rétro, tout va bien et quand je déboîte il est pas là, il était dans l'angle mort alors. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, une catastrophe aujourd'hui, un truc de ouf. Hein. Ça tape. Par contre là je vais avoir le temps de le doubler lui parce qu'en fait je roule vite mais je roule quasiment aussi vite que les voitures. Ce qui fait que dans les dépassements, c'est pas génial. Il est où? Il est là.
Moi, je crois qu'il va prendre encore. Hein. Oh putain. Oh le fou du volant, le mec complètement marteau avec son camion, il roule comme un calu. Allez, c'est bon, on est à 80, tout va bien. Et du coup, résultat des courses, on est des hydrocarbures aromatiques. C'est la nouvelle, ça. Hydrocarbures aromatiques. Il y a des remorques aussi pourries que ça, qui transportent des trucs aussi pourris que ça. Parce que alors là, les hydrocarbures aromatiques, je vois pas trop ce que c'est. Hydrocarbures, pourtant, produits pétroliers aromatiques, j'y vois mieux le thym, le romarin, etc. Mais alors là, les hydrocarbures aromatiques, aucune idée de ce que ça peut être. Bref, on s'en fout. Nous, ce qu'on nous demande, c'est pas de réfléchir à ce qu'il y a dans la remorque, c'est tout simplement de traîner la remorque d'un point A à un point B en bon état, si possible, parce que pour l'instant... On a quand même créé, je pense qu'on va être bientôt recherché par le FBI ou la DEA ou ce qu'on veut là, les trucs américains. Parce que le mec c'est complètement un fou du volant, il s'arrête jamais, il fonce comme un marteau. Poussez-vous chaud devant. C'est vrai que là c'est quand même plus monotone, ça va plus droit, c'est des grandes routes, c'est... Ouais, alors, moi je pense que je préfère beaucoup plus rouler sur ce DLC Oregon. Ah, petit avion là, petit biplan en plus à l'ancienne, ça fait plaisir, c'est sympa. Par contre, il devrait peut-être remonter un petit peu ou qu'est-ce qu'il est ? Il est en perdition, il va tenter de se poser comme je l'avais fait sur la route, comme je l'avais fait quand on était en survol des pyramides d'Égypte au Caire où j'avais dû me poser au sol dans les champs ou sur une route puisque je n'arrivais pas tout simplement à retrouver l'aéroport ou l'aérodrome sur lequel j'avais décollé. Impossible de retrouver le point de départ. Bon bref, c'est pas bien grave, on s'est posé quand même en toute sécurité au milieu des champs d'oliviers ou de je sais pas trop quoi. Et ça s'était plutôt bien passé, on n'avait pas eu trop de soucis. Tiens, Amazon, j'arrive. Enfin, en tout cas, il arrive avec les produits Amazon. Amazon Smile. Souriez. Alors, tu fais quoi? Tu y vas ou tu vas pas? Je te pousse ou je te pousse pas? Tu veux que je te pousse, en fait? Non? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, roule, mon cono. Oh là là, il va me faire... C'est les pick-up qui vont me faire ralentir. Vous y croyez, celle-là? Un truc de ouf, hein? Vous voyez, vous arrêtez au point de contrôle. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter au point de contrôle. Et puis je pense que, hop, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait l'occasion de s'arrêter. Il est où le point de contrôle? Il est là ou ça a l'air d'être le bordel? Ça a l'air d'être le bordel. Il a l'air d'avoir du monde pour la peser. Ah, il y a du monde, hein. Effectivement. Oui, on a du Volvo devant nous. On a une remorque double là-bas avec une espèce de Kenworth, je pense. Putain, il a un beau camion. Hein. Eh, tu veux pas échanger de camion, mon colo? Parce que là, franchement, nous, c'est pas terrible. Alors, qu'on va faire, regardez, on va essayer de se faire un truc sympa. Merde, c'est pas ça. Hop, vite. On va essayer de se foutre là. Hop là, regardez ça. Tac. Oh là là, le bordel. Un truc de ouf. Regardez-moi mon camion tout pourri. Allez, on va. Regarde la belle pesée, tranquillement. Le mec, il est là avec son Volvo tout beau, tout neuf. Et moi j'arrive avec mon camion tout pourri. Quand tu veux, hein. Quand tu veux. Et d'ailleurs Amazon est aussi en train de peser, donc pourquoi pas. Alors attendez, on va essayer d'avancer un petit peu nous. Voilà. Hop, on est bien. Regardez ça s'il est pas Thibaut. Allez, nous on va peser aussi. Regarde ça. Là. Ok, c'est bon. Allez, on filoche. Bah les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, on se retrouve, n'hésitez pas à liker la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur TS2, je dis Warrior, ciao, bye bye.